Elle incarne les Miss en France depuis 60 ans. Donc là, ce concours de Miss nationale qu'elle organise, eh bien, c'est une manière pour elle de montrer que la Miss, c'est elle. Tout en bas, vous, s'il vous plaît. Tout en bas, vous. Voilà, devant. Par là, par là, par là. Ça va, les gars, c'est bon. J'ai trouvé que c'était... Oui, c'est une belle photo. C'est une année difficile. Une année charnière, disons. Vous êtes fiers de vos Miss, du coup, oui. Ce soir. Oui. Oui, oui, d'ailleurs, on voit qu'elles sont radieuses, elles sont trop bien. Voilà. Mon grand-père disait, pleure, tu pisseras moins. Ben voilà. Quand je les vois, j'ai l'impression, oui, quand j'avais leur âge, j'étais comme ça. Oui, oui. Ça me refait partir quelques années en arrière. Pour faire encore des belles photos avec vos quatre noirs. Oh, j'ai toujours dit qu'elle avait raison, parce que moi je la voyais un peu dépérir. Si vous voulez, nous on a toujours eu des quelques soucis, mais globalement, si vous voulez, quand je vois qu'elle est, elle est prise en étau et qu'elle est menacée, je reviens forcément vers elle naturellement. C'est normal, c'est ma mère, donc je ne suis plus obligé de l'aider, de la protéger. C'est le rôle d'un fils. Tu déposes, vous gardez vos chapeaux et ces cadeaux. D'accord. Oh, merci. Vous déposez ça en 5 minutes dans vos chambres d'hôtel et okay. Vous nous rejoignez en 117. Pas de problème.